La diminution des dépenses en publicité du gouvernement fédéral dans les médias en contexte minoritaire continue de susciter l'inquiétude, notamment l'inquiétude de l'opposition à Ottawa. Dans une lettre adressée à la ministre du Patrimoine canadien, Mme Mélanie Joly, le député de Drummond et porte-parole en matière de langues officielles au Nouveau Parti démocratique, M. François Choquette, aborde le problème du sous-financement qui affecte les médias locaux en milieu minoritaire, un sujet dont on a beaucoup parlé ici à l'émission. On en parle encore une fois ce matin, mais avec le principal intéressé, M. Choquette. Bonjour. Bonjour. Donc, on rappelle le contexte. Dans la foulée du virage numérique, les ministères, les agences fédérales ont décidé de privilégier les publicités sur Internet, à la télévision, au détriment des médias qu'on dit traditionnels, c'est-à-dire les journaux. Et donc, les revenus publicitaires qui proviennent du fédéral ont diminué de plus de 70 % en 10 ans. Est-ce que ce sont les médias francophones hors Québec qui sont, d'après vous, davantage touchés par cette crise provoquée justement par la diminution drastique des revenus? Bien, c'est-à-dire que le gouvernement libéral en place présentement a une responsabilité, selon la loi sur les langues officielles, entre autres la partie 7, par exemple, de promouvoir le français et l'anglais partout au Canada et principalement pour soutenir aussi les communautés de langue officielle en situation minoritaire. Par conséquent, pour les soutenir, mais ça leur prend toutes sortes de services et, entre autres, bien sûr, la présence de médias. Et là, moi, depuis 2015, que je me rends compte dans mes tournées à travers le Canada, lorsque j'ai rencontré, par exemple, l'équipe du Franco en Alberta, lorsque j'ai rencontré l'équipe du journal La Liberté au Manitoba cet été, et récemment, quand j'entends parler de tout ce qui se passe avec l'organisme Micro, qui a même déposé une plainte au commissariat aux langues officielles, c'est que la survie même de ces médias qui offrent des services aux communautés des langues officielles est en jeu présentement. Alors, c'est pour ça qu'ils ont écrit une lettre, d'ailleurs, qui propose plusieurs, mesures qui pourraient aider la situation. Mais ce qui m'inquiète, c'est que le gouvernement répond pas, n'offre rien présentement. Mm-hmm. Donc, c'est pas juste le virage numérique qui est le problème, c'est la responsabilité du gouvernement de s'assurer de la promotion des communautés de langue officielle en situation minoritaire. Et c'est là le problème principal. Mais le gouvernement libéral va vous répondre qu'ils ont aussi la responsabilité de bien dépenser l'argent des contribuables. La crise des médias écrits, elle est généralisée. Je veux dire, on vient d'apprendre que, par exemple, le Globe and Mail est en pleine restructuration. C'est certainement pas à cause de la baisse des revenus qui proviennent du gouvernement fédéral. Vous ne trouvez pas que vous en mettez beaucoup sur le dos du gouvernement libéral sur cette question-là? Non, il y a effectivement une crise du média écrit, par exemple, dans les médias, dans les journaux traditionnels. Mais ici, on parle pas de journaux à grand déploiement. On parle vraiment de journaux pour des communautés. Hein, comme tout à l'heure, je parlais d'un journal pour la communauté francophone du Manitoba. Mais en Ontario, par exemple, le principal problème qu'on a présentement, c'est l'organisme Micro qui représente les radios communautaires d'expression française, d'expression francophone en Ontario. Oui, on les connaît bien, eux, bien sûr. Bien oui, mais eux, ils desservent effectivement la communauté minoritaire francophone de l'Ontario. Alors, le gouvernement a dit qu'il s'occupait du bilinguisme, puis il a dit qu'il va s'occuper des communautés de langue officielle. Et sachez que depuis 10 ans, tout le financement, c'est pas eux qui mettent le gouvernement dans le trou, là, parce que depuis 10 ans, ils n'ont même pas été indexés, oui. le financement pour les communautés de langue officielle. Et en plus, ils ont souffert de 70 % de perte de revenus publicitaires. Et puis, les mesures ne coûteraient pas très cher non plus au gouvernement. Par exemple, on demande un crédit d'impôt pour les entreprises qui achètent de la publicité dans les médias. Oui. Donc, c'est pratiquement rien comme conséquence. Ça, c'est une des mesures que vous appuyez, le NPD. Bien sûr. Donc, on appuie les mesures qui sont demandées par l'Alliance de la Radio Communautaire du Canada, l'Association de presse francophone, qui permettrait là au moins de sortir la tête de l'eau puis de recommencer à trouver des solutions à long terme. Parce que là, présentement, ils ont de la difficulté à garder leur équipe parce que ils n'ont pas assez d'argent pour les payer correctement. Et quand il y a beaucoup de roulements, mais c'est difficile de bâtir à long terme. Ouais, mais par exemple, les radios privées vont vous dire ben, qu'ils fassent comme les autres, qu'ils aillent chercher de la publicité dans la communauté. Oui, absolument. C'est ce qu'ils font, d'ailleurs. Hein? Ils travaillent très fort pour chercher de la publicité. Ils travaillent très fort. Ils font des prouesses puis de la créativité. Ils en ont beaucoup. J'ai rencontré, entre autres, le journal La Liberté, qui
qui a exercé une très belle créativité pour aller chercher plus de revenus. Mais malgré toute cette créativité-là et ces prouesses qu'ils font, ça demeure un problème à long terme. Et c'est pas conjoncturel, c'est à long terme structurel. Et il faut que le gouvernement se responsabilise. Il a des obligations en lien avec la loi sur les langues officielles. Il doit soutenir les communautés de langues officielles. Sinon, si ce qu'on veut, c'est parler juste français au Québec, puis ailleurs, on oublie le français, mais je ne pense pas que c'est ce que veut du tout le gouvernement en place. C'est pas ce que veut non plus le NPD. Et au contraire, nous, on veut soutenir, appuyer les communautés et s'assurer que ces communautés-là ont des médias auxquels ils peuvent qu'ils peuvent écouter, qu'ils peuvent lire, qu'ils peuvent s'identifier. C'est très important. Et c'est une corde sensible ici dans le nord de l'Ontario notamment. François Choquette, vous êtes député de Drummond, porte-parole en matière de langues officielles au nouveau Parti démocratique. Merci d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Ça fait un plaisir.